mon personnage s'appelle Camille, Camille Destroix. Bon, c'est un... Il y a rien de moi, enfin il y a rien vraiment de moi et en même temps tout quoi. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un de ni célèbre ni qui a un métier prégnant ni qui a une personnalité qui peut influer sur les autres. C'est un type qui a un petit boulot. Il est livreur pour un supermarché. Il est livreur bio maintenant parce que c'est un peu plus chic. Bon et donc il connaît un peu tous ceux qui font du bio dans la région où il travaille. Il travaille pour un supermarché et c'est quelqu'un qui petit à petit il y a tout qui lui tombe dessus quoi. C'est-à-dire il rencontre les gens de la ZAD, il les trouve sympas, donc il les approvisionne. En même temps, il ramasse des vieux trucs, des palettes, des choses comme ça. Bon, mais il n'est pas du tout zadiste. Il les accompagne. C'est un accompagnateur. Et puis tout lui tombe dessus parce qu'il est un peu comme la ZAD est évacuée. Il est un peu puni d'avoir été là, tout ça. Et donc petit à petit, c'est un personnage qui va se radicaliser. Alors moi, j'en ai marre qu'on parle toujours dans les news, comme on dit, qu'on parle de la radicalisation, parce que c'est toujours sur les mêmes, c'est toujours des pauvres gars de banlieue qui, pour des raisons idéologiques ou religieuses, se radicalisent. Or là, pas du tout, c'est parce que, bizarrement, par le biais, tout lui tombe sur la gueule, donc à un moment donné, stop, il dit, il faut que je réagisse, il faut un peu essayer de lutter contre ça. Et en plus... Alors ça, c'est l'histoire, ça, c'est la littérature, ça, c'est les romans. En plus, il est manipulé par une jeune fille qu'il croit oie blanche, disons, gentille, et qui va le manipuler. Et c'est un hommage, je la cite à un moment donné, donc c'est un hommage pas caché à un personnage qui s'appelle Orpha Mequest, qui est une jeune fille très célèbre, parce qu'elle est c'est la petite sœur du roman de Chandler, The Little Sister. Elle s'appelle Orpha Mequest. Et quand Marlowe la rencontre, il la prend pour une pauvre fille qui est venue de la campagne, pas de la campagne, mais d'un milieu assez aisé et qui ne sait pas du tout ce que peut être le monde et le malheur du monde. Et il va y croire et il va se faire embarquer par cette fille qui est en train de le manipuler complètement.